السلام عليكم. في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تقررت إثر الزيارة الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين، إذن في هذا الإطار يتم حاليا تحضير لمشروع هام جدا في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر بإذن شراكة صينية وكذلك بالتكنولوجيات الصينية. والكل يعرف الآن التطور الكبير التي تعرفه الصين في ميدان تطوير الطاقات الشمسية والألواح الشمسية وكذلك البطاريات نتاع الهيليوم، ويعني في الميدان هذا تاع التحولات الطاقوية الكبرى التي يعرفها العالم من طاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة. في هذا الميدان خطت الصين خطوات جد عملاقة في هذا الميدان، وتعتبر أول دولة الآن في مجال تصنيع معدات توليد الطاقة الشمسية وكذلك الطاقة الهيدروجينية والبطاريات الكبيرة ذات الحجم الكبير وذات الفعالية كبيرة جدا في تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة يعني بواسطة الألواح الشمسية. إذن كل هذا سوف يستثمر في الجزائر، لأن الجزائر عندها مؤهلات طبيعية ويعني ان بوتنسيال، فيها عندها ان بوتنسيال انورم باش تستقبل مثل هذه التكنولوجيات. إذن في هذا الإطار يتم حاليا تحضير لبرنامج هام جدا لتطوير هذه يعني الطاقات المتجددة وقصد تصديرها نحو أوروبا خاصة. وفي هذا الإطار نترككم تتابعون هذا الفيديو اللي يطرق للموضوع هذا نتاع الشراكة الجزائرية الصينية في هذا الميدان. إذا أترككم بدون ما نزيد نطول عليكم، والسلام عليكم. Compte tenu des nouvelles réalités géopolitiques et des conditions environnementales dues au changement climatique que connaît actuellement le monde, la Chine et l'Algérie sont déterminées à renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment celui de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous parlons du projet d'énergie solaire et nous constatons la construction de panneaux solaires pour la ville d'Oran et la construction du train électrique à un coût primitif de 2 milliards de dollars. Et nous parlons de la production de fer dans les mines, ainsi que l'exploitation minière et l'industrie minière à l'intérieur de l'Algérie. On parle aussi d'énergie et que la Chine pourrait contenir une partie de la production pétrolière de l'Algérie. Outre le solaire, photovoltaïque, l'hydrogène, l'éolien et la géothermie, Beijing et Alger coopèrent dans le domaine de la fabrication des équipements et l'exploitation des ressources minières utilisées dans l'industrie des énergies nouvelles et renouvelables, telles que dans le projet de la mine de Jbeilat. Le fameux projet de la mine de Rajbilat qui va être exploité conjointement entre l'Algérie et la Chine. La Chine va amener son savoir-faire, sa maîtrise technologique, mais aussi son réseau commercial, parce que c'est une production qui est destinée aussi à l'export. Et sur cet aspect-là, la Chine est bien installée sur les marchés internationaux. Donc c'est un projet gagnant-gagnant entre les deux pays et qui va apporter une valeur ajoutée et créer de la richesse en Algérie avec l'apport du savoir-faire chinois. Parallèlement à la réalisation de ces projets énergétiques, la Chine soutient la transformation énergétique et économique de l'Algérie en travaillant à la construction des infrastructures modernes qui lui permettront de faire face aux défis auxquels le monde est confronté. Les nouvelles technologies, les technologies numériques où la Chine a une grande avance par rapport à beaucoup de pays à travers le monde. Et il y a aussi le secteur des infrastructures où la Chine aussi est déjà présente en Algérie, mais compte tenu de l'ambitieux projet que compte lancer l'Algérie pour sa transformation économique, les infrastructures de base, surtout les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires auront une grande part dans la coopération entre les deux pays. Les sociétés chinoises opérant dans le domaine de l'énergie sont présentes en Algérie depuis 2002 et exploitent avec les sociétés algériennes le gisement de Zazaitine dans le cadre d'un contrat d'association ayant pour objet
l'augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place. Achraf Massoud, pour CGT1 Français.